Les corps des victimes du crash de l'Airbus 321-200 de la compagnie aérienne russe Kogali Mavia sont transférés dimanche soir de la morgue du Caire à l'aéroport international. Ils étaient 224 victimes, dont 7 membres d'équipage. Selon le gouvernement égyptien, 214 étaient russes et 3 ukrainiens. Face à ce crash survenu ce 31 octobre, l'État islamique affirme sur Twitter l'avoir provoqué en représailles à l'intervention russe en Syrie. Ce crash vient compromettre une fois encore le tourisme en Égypte qui a enregistré la visite de 1,6 million de Russes pendant les 7 premiers mois de 2015.